Et salut tout le monde, c'est Angil pour ce troisième épisode du Let's Play de Monster Hunter 3 Ultimate. Alors il y a plein de gens qui veulent nous parler, on vient de finir la quête urgente qui va nous permettre de débloquer Chacha, qui est un enfant Chakalaka. Moi, je pensais que c'était un vrai Chakalaka pur et dur. Très bien. On va commencer par lui parler, je pense. Chaha, pardon. Ce chasseur est gourmand. Chacha veut faire mal aux monstres, mais le chasseur chacharge et vole la foudre de Chacha avec Coupe Coupe. Ça va être un enfer à lire. Préparez-vous. Chacha muet. Chacha quoi? Vous ne savez pas qui est Chacha? Chakalaka chat. C'est horrible. Vous ne connaissez pas Chacha? Vous avez reçu un coucou sur la tête? Je suis le fier loup solitaire errant champion de la grande tribu Chakalaka. Je m'appelle Pel Chacha. Maintenant, Laka, écoutez. C'est complètement con, c'est merveilleux. Chacha ne s'est pas perdu. Je fais une grande marche. C'est un rite du village Chakalaka. Pour passer d'enfant chat à adulte Laka, il faut marcher pour trouver son masque. Chakwa, vous vous demandez pourquoi Chacha marche dans la forêt? Chakada, on dirait que Chacha s'est Chaka perdu dès que j'ai mis le pied hors du ville. Chacha raconte, lors d'un voyage épique, j'ai découvert un chapatant masque doré, ça m'a laissé Oga Oga. Ah donc on parle déjà du masque doré vu que ça c'est un contenu qui a été rajouté par 3 Ultimate je crois, non? Chacha était à deux doigts de l'attraper quand il a glissé. Pourquoi? C'est une longue et triste histoire. Alors Chacha fabrique plein de masques au village, des masques qui n'ont rien à envier au masque doré Oga Oga. Chacha ici jusqu'à ce que les Chakalaka envoient une équipe, jusqu'à ce qu'ils fabriquent plein de masques. Fin. Vous avez chassé le miam miam de Chacha et je demande réparation. Vous êtes le laquais de Chacha, Oga Oga. Je suis un bon maître laka. Si vous avez besoin de parler, venez voir votre ami Chacha. Les Chakalaka sont comme ça. Évidemment. Mon dieu. Alors est-ce qu'on peut... Chacha est un peu occupé, vous choisissez d'emmener Chacha avec vous pour votre quête. Bah ouais, let's go. Chakalaka bing bong. Non, Chakalaka bing bong, pardon. Et la victoire sera nôtre. Super, du coup voilà, on n'a pas de féline dans cet opus, pour tous ceux qui ne l'ont pas fait. Mais on a un Chakalaka en la personne de Chacha. Et on peut pas le renommer, je crois. Alors attendez, hop. Si vous voulez des objets trouvés par Chacha, demandez-lui. Oui, très bien. L'essentiel pour Chacha, c'est de s'intéresser à Chacha. Quoi? L'essentiel pour Chacha, c'est de s'intéresser à Chacha pour que je ne sois pas l'impasse. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi pas? Alors voilà, donc au fil du jeu, on va débloquer pas mal de masques. Ah, on peut choisir les danses? Ah, il a plusieurs danses. Provocation, récupération vie, attaque plus 1, défense plus 1. Ok. Les compétences, on s'en fout pour l'instant. Le statut, il est toujours niveau 1. Ah ah, qu'en dites-vous? La créature était un petit Chakalaka qui s'était perdu. Eh bien, vous savez ce que ça veut dire. Passez-le à la broche. Je plaisante. Au village Moga, on accueille tous les visiteurs, Chakalaka ou Linien, à bras ouverts. Ce gamin me plaît. Et quel sens de l'humour, vous avez entendu? Il veut que vous soyez son laquais. Au secours. On se fait victimiser par tous les membres du village. Alors, que diriez-vous de vous en occuper pendant quelques temps? Emmenez-le chasser avec vous. Ce gamin a du cran, ça lui fera une expérience dont il se souviendra à vie. Quoi? Ne me regardez pas comme ça. Haha, du calme. Enfin, regardez-vous, vous formez déjà un duo dynamique. On s'est fait avoir, on s'est fait avoir. Mais personnellement, j'aime beaucoup Chacha. C'était vraiment un bon partenaire de quête. Une fois encore, chasseur, vos résultats sont exceptionnels. Je suis impressionné. Qui aurait pu croire qu'une créature mystérieuse se cachait vraiment dans la forêt? Je suis touché, avoir un cœur si pur, si confiant. Vous voyez cette larme? Et elle se marre. Retour aux choses sérieuses. Des lettres vantant vos mérites arrivent de tout le territoire. Vous savez ce que ça signifie. Roulement de tambour, je vous présente un nouveau terrain de chasse. Vous pouvez maintenant aller dans la forêt inondée. Vous voulez savoir quel genre d'endroit c'est? Moi aussi. D'après mon guide détaillé et volumineux, forêt inondée d'eau. Mais il est super utile, son petit bouquin, là. Waouh! N'oubliez pas votre serviette. La guilde veut que vous chassiez un monstre appelé Kurupeko dans les plaines de sable. C'est le moment de frimer. Oh, le Kurupeko!
On a hâte. Alors ça, c'est la visite. Le Kurupeko, les 6 Rhinoplos, des œufs d'herbivores, un grand Vrogi, des Bnabra et des Ludros. Tellement bien. Je sais que je vais pas arrêter de vous le dire, hein, mais la musique de Moga, c'est une putain de tuerie. Ah, on va avoir des potions, je pense. Bonjour, chasseur étourdi. Comment puis-je vous parler des nouveaux objets que vous ne... Si vous ne venez pas me voir, j'ai de quoi donner envie aux épéistes de devenir artilleurs, des munitions pour fusils arbalètes. Et voilà mon préféré, le guide de l'organisateur. Ce magazine vous aidera à utiliser au mieux votre boîte à objets. Vous n'aurez plus... à vous inquiéter de ne pas avoir assez de place, les chasseurs ont d'autres préoccupations. C'est un peu cher, mais je suis prête à l'échanger contre une mèche de cheveux ou votre vieille armure. Je plaisante. Alors, on a 6000 balles, on va s'acheter le tome 2. Ah mais non, il n'y a toujours pas les potions. Oh la coquine. Putain, c'est giga cher le comment ranger là. Tome 1, 3000 balles. Non, faut pas déconner. On n'a pas forcément besoin de manger encore. Pour les armures non plus. Alors je crois qu'à la ferme, il y a quelqu'un qui nous attend. Bien, qu'en dites-vous? Le cuisinier ambulant m'a demandé de planter des vauriens. Une sorte de légume. Et on a eu notre première récolte. Je salive rien que de penser à ce qu'il va nous mijoter avec ça. Vous allez pouvoir goûter à des plats faits à base de vauriens à la cantine. Allez-y faire un tour. Ok. Du coup maintenant on aura des légumes. Si j'ai bien compris. Ce jeu est trop bien, putain. Par contre on est giga loin du village en fait, vous voyez. Ça n'a aucun sens ce plan. Au niveau géographique, c'est pas du tout raccord avec l'autre plan qu'on a depuis la forêt de Moga. Bref. Ha ha ha, et moi qui pensais que tous les chakalakas étaient des brutes sanguinaires. J'avais tort, on dirait surtout un petit imbécile. Je voulais dire un adorable petit coquin. C'est le compagnon qu'il vous manquait. Il faut profiter des petits plaisirs de la vie. mais c'est drôle qu'il soit venu chercher un masque. Je ne vois pas comment on peut aider ce petit homme. À moins que l'Argosy a visité des terres lointaines, il ramène peut-être quelque chose qui pourrait servir. Ce n'est qu'une suggestion, mais on peut demander au capitaine de l'Argosy ce qu'il en pense. Comment allez-vous? Moi, très bien. Vous croyez qu'il y a de la vie sur la Lune? Les chasseurs ont des vaisseaux géants pour voler très loin, non? Mais pourquoi pas jusqu'à la Lune? Dire que je suis le premier à y penser. À plus tard. À la Lune. Rebonjour, merci beaucoup d'avoir trouvé le lutin pour moi. Maintenant, je peux prouver à tout le monde que je ne suis pas un menteur. Et que dites-vous de cette prime de quête? Waouh! Tout mon argent de poche y est passé. Oh, je sais plus combien il y avait. Attendez, est-ce qu'on peut vérifier? Putain, en fait, c'est une quête unique, donc on peut pas la revoir. Je regarderai sur l'épisode précédent. Parce que ça m'intéresse, du coup. Intéressant. Pardon, j'ai été perdu dans mes pensées. Le capitaine de l'Argosy a appris quelque chose. Je ne pense qu'à ça. On dirait que la minceur n'est plus à la mode. Tous les habitants de la ville suivent un régime pour se remplumer. Ce serait parce que les riches sont gros et heureux, tandis que les travailleurs sont tout maigres. Les maigrichons de la ville veulent être gros et riches. Ils ont découvert qu'un régime à base de miel fait grossir. C'est le régimiel. Le miel est un produit recherché. On va installer une boîte à miel, à la ferme. On va exploiter cette mode et faire du miel une grande exportation Moga. Vous pourrez aussi l'utiliser, évidemment. J'ai fait la liste de ce qu'il faut, je sais que vous avez du travail, mais le miel peut aussi servir aux chasseurs. C'est complètement stupide comme idée, mais pourquoi pas. je rêve de retrouver le miel plus facilement, ce n'est plus un rêve quand on a les ressources. Alors, fleurs de cactus, il nous en faut une de plus, on a moult cristaux de terre, et il nous faut des points, ok. On va faire quelques quêtes, et puis on ira un petit peu se balader dans Moga. Bon, écoutez, en vrai, on va commencer par un Kurupeko. Hop là. Où est-ce qu'il se trouve, le Kurupeko? Oh,
Oh, les petits bruits de chacha, c'est du petit miel pour les oreilles quand même. Mais merveilleux. Merci beaucoup. Il est trop chou. Il n'y a pas de combat et il nous donne des boosts offensifs. C'est un génie. Ah bah il s'est barré là, non? Ah, le voilà. C'est parti. Putain, c'est trop chiant, c'est vrai qu'on rebondit à l'infini. Que j'ai des flashs. Oui. Oh, sérieux, il l'a fait deux fois de suite. Ma tête est un poil trop haut. J'ai pas réussi à l'atteindre. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est les... Oh, il a dû appeler le grand Jaggy, je pense. Je sais pas trop quel chant il a fait là. Ouais, c'est ça, il a appelé le grand Jaggy. Limite, on aurait dû le tuer. Hop là, on laisse passer le Rhinoplos. Non, ça fait rien. Ah, c'est peut-être quand il fait... Quand il fait son cri, si on utilise une bombe sonique, peut-être que ça va l'empêcher d'invoquer ou quoi que ce soit. Voilà. Oh putain, cette attaque, faut faire gaffe. Voilà. Allez, on fait les roulades pour s'enlever le petit malus de feu. C'est vrai que c'est dans ce jeu-là, hein, où ils ont ajouté les malus comme ça avant. Les attaques de feu, de foudre et tout ne faisaient pas grand-chose de plus que faire des dégâts de foudre, etc. Des dégâts élémentaires. Voilà, c'est comme ça qu'il faut utiliser la bombe sonique. Faut vraiment qu'on aiguise par contre. Alors ça ne fait pas de dégâts, hein, c'est juste du vent. On est tranquille. C'est pour ça que je regarde pas ma vie. Oh, il est en train de rappeler l'autre là. Ah, ça c'est cool. Un silex de moins. Ah du coup ça marche plus. Parfait. Et on réattaque. Ça s'est passé exactement comme prévu. Putain, mais le vent, ça nous met vraiment à 8 km. C'est incroyable. Non, non. J'étais cramé. Énervé. Alors, qu'est-ce qu'on a perdu? Cool.
Ah bah voilà. Incroyable. À la place des pierres, faut pas déconner. Bon, je crois qu'il en faut 5. On en a 2. Ça va mettre 8 millions d'années avant qu'on puisse améliorer cette épée bouclier. Et voilà. Il voulait vraiment pas crever à la fin. Je sais pas combien de temps il a boité, mais beaucoup trop. C'est quand même un chouette monstre, hein, le Kuropeko. Moi je l'aime bien. Il est marrant. Le concept derrière est quand même assez intéressant, je trouve. De pouvoir appeler des monstres comme ça à sa rescousse, c'est stylé. Voilà, du silex. Merveilleux. Et je crois qu'on a eu le cactus en plus de la zone. Donc ça va nous permettre d'améliorer notre ferme. Si je ne me trompe pas. Bonjour chasseur, vous savez, les gens ont entendu des cris bizarres dans la forêt Moga ces derniers temps. Je parie qu'il s'agit des cris du Kuropeko. Cette créature a peut-être fait son nid quelque part. À partir de maintenant, vous pourrez repérer des Kuropeko dans la forêt même en dehors des quêtes. Votre protégé masque Chouchou a fait une demande. Hein? Ah, c'est Cha-Cha. Oui, d'accord, ok. Il sait pas parler, c'est tout. Ça me choque autant que vous. Consultez les demandes villageois. Et donc c'est Cha-Cha. Qui veut de la peau chaude et du cuir feutré? Alors le cuir feutré, je sais pas où c'est. Peut-être sur les Gigi? Je sais pas, en blanc comme ça. La peau chaude, c'est sur les Kelbi. Et plumes pour Opeko, ok. Très bien, donc ça, il nous manque juste des points. Et ça, la bouse démesurée, je ne sais pas où la trouver. Pour l'instant, il n'y a pas de Kuropeko qui s'annonce, donc on va pas tout de suite aller faire un tour à Moga. Opa, opa. Une idée pour le nouveau masque traverse l'esprit de Cha-Cha comme une comète spatiale en feu. C'est un masque avec des oreilles pointues et des flop-flop en plus pour faire des câlins. Cha-Cha a laissé des plans au fils du chat-chef du village, Junior. Vous les avez vus? Allez, chavoir. Ok. Je sais pas ce que c'est comme masque d'ailleurs. Je vois pas trop ce que ça peut être. Salut, heureuse de vous revoir. Bravo pour la chasse au Kuropeko. Je n'ai pas arrêté de croiser les doigts pour vous pendant que je mangeais. Quoi? Vous voulez savoir d'où venait mon encas? Rien ne vous échappe. Puisque vous le demandez, le capitaine de la flotte de la chasse nous a confié une mission. Il faut que vous chassiez leur ennemi juré, le Ludros Royal. Les composants serviront à réparer leur navire. J'ai eu cet encas pour avoir accepté la quête. J'ai mangé votre part, mais... un chasseur ne mange que ce qui est sain. Tout le monde le sait. Avant d'aller chasser le Ludros Royal, vous devriez aller voir le capitaine de la flotte. C'est un spécialiste de la pêche, y compris du Ludros Royal. Bonne chance. Je vous attendrai en mangeant ou pas. Il ne reste plus rien. Allez, oust. Du coup, en fait, l'idée à ce moment-là du jeu, c'est de faire un set, enfin pas un set, mais une arme Kuropeko pour avoir une arme feu et pouvoir taper plus facilement sur le Ludros Royal. Vous vous en doutez. Dites-moi petit, vos exploits font parler tout le village. Il est temps que je vous renseigne sur les décorations. Avez-vous déjà vu que votre équipement avait des trous vides nommés fentes? Bon, pour faire court, ces fentes servent pour les décorations. Les décorations offrent des points de talent, comme tous les autres types d'équipements. Bien sûr, leur nombre n'est pas très élevé, mais c'est un début, non? Si vous portez une armure pardon, avec beaucoup de fentes, vous pourrez les remplir avec autant de décorations. Vous avez tout compris, chasseur. Les décorations doivent être attachées à l'équipement, tout comme les charmes. Si vous avez compris, voilà. Nous utilisons des joyaux comme celui-ci pour faire des décorations. Impeccable, mais on s'en fout complètement. Nous, on veut regarder un petit peu ça. Oh là là, l'armure coupe et coupe. Alors, allons parler un petit peu aux pêcheurs. Bonjour, l'océan abrite autant de monstres que la terre ferme, voire plus. La flotte de la chasse... toujours prête à faire face à une attaque de monstres. C'est une carrière dangereuse. On pourrait chasser des monstres, mais ce n'est pas notre spécialité. Il nous faudrait un plus gros bateau pour ça. Mais la pêche, c'est notre truc. Laissez-nous attraper les poissons et prenez soin de vous, mon pote. Ok, ça ne nous a pas appris grand-chose. Ah, je suis Lance Noir, l'homme aux chansons. J'en ai une autre pour vous aujourd'hui. Cette mélodie parle d'une tragédie incommensurable. Il se peut même que vous pleuriez, vous êtes prévenu. Sortez vos mouchoirs, mon ami, pendant que je chante pour vous un coup la gloire. Un coup la gloire, un coup il brise le mât, gloire le Lagiacrus accéléra. L'eau de mer s'épand et mon navire ne résiste plus. L'eau de mer s'épand,
Mes os fourbus ne reposeront pas au fond de l'océan. Sniff, adieu. Bateau qui partagea mon nom. Un jour, nous voguerons ensemble. Cette mélodie vient des poissons. Bah écoutez, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que cette chanson, what the fuck? Alors, on va aller faire une quête, une étoile, qui sont les trésors immergés, parce que j'ai cru comprendre qu'on pourrait avoir de la macalite avec cette quête. Allez, c'est parti pour miner toute notre vie. Les isoirs, on s'en fout. On veut des coraux rouges, bordel. C'est ça qu'il faut faire, quand même, je suis pas fou. Au moins, la macalite, c'est toujours ça de prix. J'ai toujours ma pioche, ouais c'est bon, j'ai ma méga pioche, faut pas qu'elle pète, parce que sinon je pourrais pas faire la quête. Je pense que j'aurais dû prendre plus de pioches que ça. J'espère qu'elle va tenir. Un petit requin, attends, ouais, on va le tuer. Est-ce qu'on le one shot? Non. 1, 2, 3, 4. Non mais c'est de la merde les harpons ou comment ça se passe? Il a fallu 14 coups! C'est de la daube! Bon, au moins on a le pot de requin. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Mais... Ah, mais il suffit de fouiller ça en fait. Ok. 2. Il nous en faut 8. Ça va être long, hein. Ça va être très très long. Parce qu'ils sont bien planqués en plus. Je trouve que dans cette... Enfin, je trouve que dans ce jeu, les éléments qu'on peut ramasser, etc. sont vachement bien planqués, quoi. Ils sortent pas trop du décor et tout, donc c'est assez chaud, je trouve. Je pense qu'on est pas trop trop mal. Bon, il nous faut un ou deux derniers coraux, je ne sais plus. Et l'important, c'est qu'on a eu la macalite et du coup, on va pouvoir améliorer notre épée bouclier. Et ça, je vous avouerai que ça fait du bien. L'idée, c'est vraiment hein, de toujours essayer d'avoir pas forcément une bonne défense, mais avoir une bonne attaque. Comme ça, les quêtes durent pas trop trop longtemps. Et voilà. Impeccable. Une quête rondement menée. Oh, c'est stylé ces cascades. J'avais jamais fait gaffe. Je crois que je ne les avais vraiment jamais vues. Ça, c'est fou. On peut pêcher. Oh là là, et en plus on a plein de macalites en récompense. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. On a tellement bien fait de faire cette quête. Merci Internet. Alors l'argosic, il veut nous dire quelque chose. Bonjour chasseur, Yoku Kita. Vous chassez bien et on fait de bons échanges, d'accord? Vous arrivez juste à temps, le pigeon voyageur a de bonnes nouvelles. Une autre terre veut des produits Moga, il s'agit du domaine chasseur. Ces biens d'échange vous seront utiles pour chasser. Kakujitsu, pardon. Ça se complique. Maintenant que d'autres terres veulent faire des échanges avec vous, il nous faut un Keikaku, un plan. Le fameux All According to Keikaku. Vous voulez peut-être des explications plutôt sur le choix des destinations et la durée des voyages? Non, c'est bon. Ah, très bien. Vous avez compris tout seul, ce n'est pas très compliqué. Dewa, la brise marine m'appelle. On va demander des escales. Bah oui, on va lui demander tout plein d'escales. Au domaine chasseur, ouais, c'est bien. Une aide au voyage, non. Hop là, allez au boulot. Ah oui, attends, ça va falloir qu'on le teste plus tard. La super broche barbecue. Vous n'êtes pas prêts. Non, le tome d'alchimie 4, il est que avec l'argosie, je savais pas. Améliore un navire de chasse pardon pour faire des prises plus grandes. C'est trop bien ça, il va nous falloir, vite. Bon, pour l'instant on va prendre la broche, la super broche barbecue, parce qu'il faut absolument que je vous montre ça. Hop là. Paf. C'est difficile de l'admettre, mais on a un problème. On a tout prévu pour la réparation de la flotte de la chasse. Il faut commencer par réparer la lance rouge, mais... Les composants de Ludros ordinaires ne suffisent pas. Heureusement, certains Ludros rares sont plus grands que les spécimens moyens. Il s'agit des Ludros royaux.
Si on pouvait mettre la main sur des composants de Ludros Royal, on pourrait réparer la lance rouge. Ces monstres marins peuvent survivre sur Terre en utilisant leur crinière d'écailles et d'éponges pour respirer. Si la flotte pouvait reprendre la mer, la chasse au Ludros Royal serait une partie de plaisir. Je me sens inutile. La flotte et les chasseurs sont de vieux rivaux, mais de l'eau a coulé sous les ponts. Vous pourriez nous aider ? Aidez-nous, et on vous laissera nous accompagner, nous, les héros de la flotte, quand on reprendra la mer. Et je savais que ça vous intéresserait. Bonne chance. Et B, ils sont encore une fois exploités. Ah mais dommage, j'ai voulu essayer d'avoir un tome d'alchimie moitié prix, mais ça marche pas. J'ai essayé d'avoir le jeu, mais le jeu m'a eu. Du coup, améliorons notre SNS. Hop, hop. Impec. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Soit on continue sur cette voie-là. Le couteau hypnose. Ah ouais ! Carrément, en plus, il y a un mille fois... enfin, un tranchant mille fois meilleur. Go partir là-dessus. Des griffes de grand baggy, de l'icisium et une poche somnifère. Alors ça, tout ça, ce sera sur la prochaine carte, à mon avis. Ah, mais on a aussi le grand vrogui. Donc ça, c'est un monstre qui est apparu avec Monster Hunter Portable CERN. L'idée, c'est quand même un petit peu de faire une expérience, on va dire, assez similaire à Monster Hunter 3. Et ensuite, on fera du coup les monstres qui ont été ajoutés avec... l'extension Ultimate probablement dans la deuxième partie du village, donc pour toute la première partie, je vais essayer quand même de faire que les monstres de Monster Hunter 3 Tri, le jeu de base, on va dire. Allez, c'est parti. Là aussi, cette zone, elle a quand même magistralement évolué dans Monster Hunter Rise. Alors, il n'y avait pas un passage secret, là ? Non ? Il y a un passage secret, non, par ici. Ah ! Ah ! Je savais bien qu'il y avait un passage secret. Alors, attendez, on va aller miner un petit peu, là. Au milieu des épios. Parce que comme on est parti sur une évolution... Non mais sérieux, la méga pioche s'est déjà pété ? C'est de la merde. Putain, j'ai déjà plus de place. Secours. On va virer les pierres comme d'habitude. Hop là. Oui, du coup, comme on est parti sur une évolution de... Pas la dague en os, mais celle en fer, on va probablement avoir souvent besoin de minerais. Donc c'est pas une idée idiote de souvent s'arrêter pour miner. Le Ludros Royal, évidemment. Quelle belle bait. Ah, c'est vrai qu'il y avait ces poissons rouges trop beaux là. Alors, bonjour monsieur. Alors, le point faible, c'est évidemment son espèce d'éponge qui me sert de crinière. Mais l'idée c'est aussi de lui couper la queue. Ouf. Est-ce que ça fait mal? Un peu, mais ça va. Je me souviens plus du tout de la zone là à droite. Je me souviens comment elle était dans Monster Hunter Portable Sur, mais là, je sais plus. Ah bah c'était la même. Hop. Et du coup là normalement il y a la pyramide Maya. Voilà. Qu'on retrouve dans Monster Hunter.
C'est stylé quand même, hein. Putain. Ils avaient essayé de faire des trucs à cette époque-là. J'aurais dû m'arrêter. Il est sérieux le chat? Et boum! Attends, il vise qui là? Il vise Chacha! Quel enfoiré! Bon, j'espère que ça, ouais, ça a aussi tapé le. Le Woodross, c'est parfait. Oh le ouf! Ah, le voilà qui boite. On n'a rien cassé, on n'a pas cassé la queue, on n'a pas cassé la tête. Il va se calmer. Trop marrant. S'il fait là, il essaye de venir discrètement, c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il faisait ce chat? Hop là, je m'arrête. Yes. Oh yes, il a tout pété, merveilleux. Vu qu'il y a les éponges là, c'est une espèce de crinière, et il y a en plus une espèce de collerette qu'il a qu'il faut aussi péter. Et en cassant les trois, du coup, la queue, la crinière et la collerette, vous cassez toutes les parties. Et donc forcément, vous aurez plus de compos. Autant cette zone, je trouve qu'ils l'ont vraiment bien réussi dans Monster Hunter Rise. Autant, je trouve que le reste de la carte, un peu moins. Oh, sérieusement, le bout de la queue, là, vraiment. Voilà. Et après, j'étais bon. C'est bon, encore une fois, nous triomphons. Ah oui, alors du cuir machin, là, du cuir spongieux. Hop. Les rations, ok. Faut vraiment bien gérer son inventaire et tout. Faut penser à chaque fois à retourner dans sa chambre pour redéposer les objets. Sinon, c'est l'enfer. Et vous avez jamais de place. C'était juste trop chiant comme mécanique. Je trouve que ça s'est vraiment amélioré avec World. Déjà, dans 4 ultimates, j'avais pas trop ce souci là. Là, c'est vrai que très souvent, ma bourse est pleine. Ah voilà, du coup on a débloqué le deuxième navire et tout le monde veut nous parler. Écoutez, ce que je vous propose c'est de le discuter un petit peu avec eux et ensuite eh ben, on s'arrêtera pour ce troisième épisode. Allez. Vous avez réussi chasseur, vous avez réussi, la lance rouge est réparée grâce à vous. Le plan de réparation de la flotte avance bien. Vive la flotte de chasse, vive les héros du village Moga. Pour l'instant on pêchera avec mon navire et la lance rouge, mais deux bateaux ne font pas une flotte. Quand je pense à la lance noire qu'on a laissée derrière nous, toute seule, j'ai envie de pleurer. Je sais que la flotte de chasse rivalise avec les chasseurs depuis des années, mais aiderez-vous la lance noire? À présent, vous pouvez demander des choses à mon navire et à la lance rouge. Allez voir la poissonnière. Ok. Hé, vous êtes le chasseur de Moga, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Mon navire est réparé et prêt à prendre la mer. Je peux enfin reprendre ma mission et pêcher. Ça n'aurait pas été possible si vous n'aviez pas chassé le Ludros Royal. J'ai une dette envers vous, l'ami. Le pitre qui nous sert de capitaine de flotte m'inquiète. En cas de problème, il ne ferait que compliquer les choses. La force de la flotte, c'est son ombre. Je suis enfin prêt à pêcher. J'ai hâte de travailler avec vous, l'ami. Le capitaine et moi allons prendre des caps différents. Dites-nous ce dont vous avez besoin. Comme dit le proverbe, tais-toi et pêche. Hop, alors la poissonnière. Ouah, mon chou, vous avez réussi. Si je n'étais pas couverte de boyaux de poisson, je vous embrasserais. Maintenant qu'il y a un deuxième navire, on peut envoyer les garçons à deux endroits en même temps. Le village traversait une mauvaise passe, mais depuis votre arrivée, tout rentre dans l'ordre. Vous êtes un as. Hop, c'est parfait ça. Une méloconque, une étoile brillante, un somnipoisson et encore une étoile brillante. Très bien, on va pouvoir faire plein d'échanges. On va l'envoyer sur la côte Moga. Hop là, toi, c'est parti. Et toi aussi, tu vas partir sur la côte Moga. Hop là. Impec. Ah, vous voilà, chasseur. Vous tombez à pic, j'ai quelque chose à vous dire. Je patrouillais dans la forêt Moga quand j'ai vu un Ludros royal. C'est nouveau dans la région. Je ne sais pas si c'est à cause du séisme, mais la chaîne alimentaire de la forêt est perturbée.
Ça veut dire que vous pouvez croiser un Ludros royal dans la forêt même si vous n'avez pas accepté de quête. Vous êtes prévenu, regardez les prévisions Moga régulièrement, on n'est jamais trop préparé. Bon, il n'y a toujours pas de Kurupeko ni de Ludros, c'est un peu casse-pied, mais bon, c'est pas grave. Gloire, vous avez réussi un bateau, ce n'est qu'un tas de planches, mais il représente tellement plus. Cette flotte de chasse va nous permettre de continuer. Concentrez-vous sur les quêtes de guildes et sur le Lagiacrus. Je veillerai à ce que le premier villageois à repérer la bête aille directement vous en informer. Au fait, la beauté du comptoir de quête veut vous parler, quelque chose à propos d'un nouveau monstre. Oui, je savais que ça vous plairait. Bonjour, ravi de vous revoir. Vous avez montré au Ludros Royal qui est le chef. La flotte de chasse s'est déjà mise au travail et c'est grâce à vous, mon bon chasseur. La guilde le sait, je parie qu'elle vous demandera de chasser d'autres monstres. Il n'y a qu'à attendre. Votre cote de popularité augmente en ville. On parle même de faire une figurine à votre effigie. Non, je plaisante. Ah, moins cool du coup. Mais ça aurait pu être pas mal, non ? Passons à la chasse suivante. C'est un grand monstre vivant dans les plaines de sable, le Baros. Quel genre de monstre est-ce ? D'après mon carnet récemment mis à jour, Baros, wyverne brutale vivant dans les plaines de sable. Caractéristique inconnue. Oh waouh ! J'espère que cette description inutile ne vous décourage pas. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle soit utile ? Vous n'êtes pas dupe, chasseur, mais je vous aurai. Génial. Absolument génial. Allez, du coup, je vous propose de s'arrêter ici. Je vais mettre le petit emote pour vous dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. On se donne rendez-vous pour eh bien, le quatrième. Et entre-temps, j'aurai changé d'armure. Je vais essayer de me faire l'armure en Ludros parce qu'elle est quand même assez iconique de ce jeu. Voilà, merci beaucoup et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde !